tout le monde chante dans ma famille. Personne n'en a fait un métier, mais... Toi, t'as choisi ce métier. Ouais. Mais je sais pas, c'est arrivé. Je sais pas quand j'ai décidé, mettons. Je me rappelle pas de ma première toune que j'ai écrite, puis pourquoi je l'ai écrite, là. T'sais, ça devait être parce qu'il fallait que je le fasse, là. Puis après ça... Après ça, tout a déboulé assez rapidement, fait que... C'était ton destin. Ben, je sais pas, t'sais, si on croit au destin, peut-être. Sinon, ben, j'ai décidé de faire de quoi, puis j'ai continué à le faire. T'sais, ça aurait pu être quelque chose d'autre, mais non. Que tu crois au destin? Des fois, il m'arrive des affaires, puis je me dis que ça peut juste être ça. Mais je suis pas très destin, ni... tu sais, moi, j'étais assez... Je pense qu'il n'y a rien après la mort. J'étais assez terre-à-terre, mais des fois, je me plais à penser à des trucs comme ça. C'est comme Jesse, là, McCormack, la façon qu'on s'est rencontrés, des fois, je me dis, ça peut quasiment juste être ça. T'sais. Ouais. On s'est vraiment rencontrés au hasard dans une rue, puis il a changé ma vie. C'est quoi pour toi la liberté? Pour moi, quand je me sens libre, là, c'est quand je me pose pas de questions. Puis, tu sais, je suis une fille angoissée. Là, fait que les moments où je me sens le plus libre, c'est quand j'ai pas d'angoisse, ce qui veut dire qu'il y a personne qui attend rien de moi. C'est pas mal ça. Tu sais, là, quand tu pars en voyage, là, puis là, tu sens à un moment donné que là, tu dois plus rien à personne. Pour moi, c'est ça. Puis ça peut se transmettre en art ou en n'importe quoi. Là. Quand tu sens que tu crées. Personne n'a d'attente envers ça, puis que tu peux juste faire ce que tu as envie de faire, puis aller où tu as envie d'aller. Pour moi, c'est ça. Des fois, je lis mon horoscope juste pour comme me rassurer de quelque chose. T'sais. Quand je trouve qu'il est positif, ça me rassure. T'sais. Même si j'y crois pas, on dirait que je suis comme... Ah! Tu sais, de se raconter des histoires, là, des fois, ça fait du bien. Puis là, quand ça va mal, puis ton horoscope, il va mal, tu fais « Ah, c'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être plus grand que moi, finalement, mon malheur. » Parce qu'au final, on s'en fout ça, que ça soit vrai ou pas vrai, tu sais. C'est pas ça qui importe, c'est le bonheur que ça donne aux gens, puis le sens que ça peut donner, puis après ça, on verra bien quand on va être à quelque part, ailleurs, si c'est vrai ou pas vrai. C'est beau ça.